facile si là tu ne feras une manne mouagée. Déjà, par exemple, nous avons ces jus aussi un laboratoire qui est une sorte de mélange qui a son charme, qui a son intérêt. Ensuite, vient en troisième lieu la langue française aussi pour s'ajouter à cet ensemble. Et vous imaginez toutes ces influences, tous ces réseaux qui doivent fonctionner. Ça, c'est très important. Et par conséquent, par la suite, moi je crois que de là à passer à l'écriture, c'est en quelque sorte avoir sa propre langue. Certains l'appellent le style, chacun a son style, mais c'est aussi la langue, c'est aussi un rapport avec les mots et parfois un rapport difficile à dire, difficile à exprimer, mais il y a effectivement ce type de rapport. Et sur le plan, en ce qui concerne la formation, ma formation et également mon rapport à la langue écrite, au français écrit, comme beaucoup de gens, il y a d'abord eu, en ce qui concerne les publications, un rapport, disons, utilitaire. Utilitaire dans le sens où on prépare un diplôme, notamment par exemple le doctorat, et à ce moment-là, c'est un rapport, on doit s'inscrire dans une sorte de moule qui est déjà là et qu'on doit adopter et au sein duquel on doit travailler avec des termes, avec des mots, avec un jargon, qui est un jargon souvent académique. Donc on s'inscrit dans cela. Et c'était mon cas, par exemple, mon premier livre qui est un essai, c'est « Les voix de Khayreddine », qui a été publié en 2007. Donc ce livre, c'est ce rapport utilitaire avec la langue. C'est plein de terminologies savantes, ce qui concerne l'analyse du discours, la narration, etc. Et c'est intéressant parce que c'est un rapport vraiment utilitaire, c'est pour avoir un diplôme. Et il y a parfois une phrase ou un paragraphe, etc., dans lequel j'aurais aimé donner libre cours à ma création, l'écrire des mots de telle façon ou une phrase sous tel autre angle. Mais je ne pouvais pas, parce qu'il y a la contrainte académique. Donc, ça c'est le premier texte, la première publication, 2007. C'est un rapport étuditaire. Je passerai à une deuxième partie, c'est une deuxième publication. C'est ce que j'appellerais un rapport un peu plus décontracté avec la langue. Donc là, ça y est, on a eu notre diplôme. On a notre doctorat, on a un poste, etc. On peut écrire un peu plus librement. Mais je dis bien un peu plus librement, mais pas encore. On n'est pas encore dans la création. Et ce rapport, je l'ai vécu à un moment où je me consacrais à une sorte de chronique. J'apporte mon regard sur des textes, des romans écrits par les autres. Donc, à un moment, je publiais beaucoup dans la presse, notamment dans un journal qui n'existe plus, c'est le Soir. Et chaque semaine, je consacrais une chronique à un roman, à un livre. Et c'est là que j'ai ce rapport que j'appelle décontracté avec le texte littéraire. C'est-à-dire que je prenais un roman, je le lisais, je prenais des notes, je disais mon avis de façon très subjective. Alors, je voudrais m'adresser essentiellement au romancier M. Abdelabeda par rapport à son dernier livre, C'est testament d'un livre, et là c'est l'inverse, vous avez décidé que c'est le livre qui prend la parole et qui va témoigner de son histoire et celle des siens. Alors, moi, c'est à quel moment vous avez dit, ben, il faut que je donne la parole. Vous avez senti qu'il y a une fin qui s'approche, c'est la fin du livre, et il doit faire ce testament. Je vous remercie.
je m'intéresse beaucoup à la question du livre, à son circuit, à son accueil. Donc ça, c'était des questions qui m'ont toujours intéressé parce que il y a là quelque chose d'intéressant. Il y a là aussi l'image d'une société. Et maintenant, je vois que même dans le premier roman, Le Dernier Salto, il y a une scène. C'est la première fois que je pense à ça, et c'est la première fois que je le dis. Il y a une scène dont le personnage était dans un avion, il était en route pour New York, et il avait transité par Charles de Gaulle, et il a fait cette remarque parce que les voyageurs ne lisaient plus comme avant. Parce qu'auparavant, lorsqu'il voyageait, vous voyez, dans le métro parisien par exemple, tout le monde en train de lire, en avion également, et il avait fait cette réflexion. Est-ce que c'est la fin du livre? Franchement, c'est la première fois que je pense à ça. J'avais complètement oublié. Et donc, la préoccupation était déjà là. Et puis, en même temps, ce n'est pas vraiment un roman pessimiste, c'est-à-dire le tableau n'est pas complètement noir. Il y a beaucoup d'humour lorsque le livre parle, évoque son image, sa présence sur les autres, son rapport aux autres. Et à un moment, il y a tout un chapitre où le livre dit « Je n'ai pas les pages blanches », comme on dit « Je n'ai pas les mains blanches », »,« Je ne suis pas complètement innocent ». Moi aussi, j'ai fait pas mal de dégâts, moi aussi j'ai même tué. Et donc il va me raconter comment il a tué Al-Jahed. Vous connaissez un petit peu l'histoire d'Al-Jahed, etc. Il va nous raconter tout ça. Et voilà, c'est... Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. L'institutionnalisation des rapports, il y a toujours dans l'institutionnalisation d'un rapport, on sacrifie une part de la créativité. L'école, le système scolaire en lui-même, est un exemple de cela. Parce qu'on formate les esprits. Et c'est notre rôle, les enseignants, etc. L'élève, tais-toi, tiens-toi bien, il faut écrire de cette façon, il faut suivre la ligne, etc. Mais c'est un peu la contrainte du fait de vivre dans une société. Il faut écrire de cette façon, il faut avoir ce rapport, il faut sacrifier la créativité, la création pour un certain moment. C'est pour cela que j'ai tracé un peu cette courbe où j'ai commencé par le rapport utilitaire à la langue, parce que ça on en a besoin, parce qu'on a besoin d'un travail, parce qu'on a besoin aussi d'emmagasiner un certain nombre de savoirs. Et pour faire cette étape, il faut absolument se soumettre à la contrainte. Là, je vous raconte une petite anecdote. Abu Nouas, vous le connaissez bien sûr, il voulait être grand poète. Il est allé chez le maître de la poésie. Et le grand maître lui a dit, « Maître, qu'est-ce que je peux faire pour être grand poète moi aussi ?» Il lui a dit, « Vous devez apprendre 1000 vers par cœur. » Il a appris 1000 vers par cœur, comme l'a recommandé le maître. Il est revenu, « Maître, voilà, c'est fait. » Et maintenant, deuxième étape, le maître lui a dit, « Maintenant, il faut les oublier. » Pour être libre. طريقة الاشتراك بالقناة كما قلت لكم فانتم كتكليكوا هنا على سابوني مباشرة بعد ما كتكليكوا عليها هنا ابونمو اجوتي يعني انكم تابونو درتو ابوني كذلك هنا ما تنسوش انكم تضغطوا على الجرس ديال الجرس باش انكم توصلوا بجديد الفيديوهات ديالنا